Bonjour et bienvenue dans Milton, dans la ville la plus sécurisée au monde. Il n'y a personne à part des loups. Bienvenue pour notre nouvel épisode de la survie du week-end, qui va peut-être sortir pendant la semaine. Donc, nous sommes bel et bien à Milton. Nous allons très vite dans cette survie un peu spéciale, personnalisée, slash Darkwalker, j'ai envie de l'appeler. Nous sommes à Milton, nous sommes arrivés à Muskegmore, on a fait la voie ferrée détruite, le lac Mystère, puis maintenant nous sommes à Milton. Nous avons fait ces zones extrêmement vite, hein, nous ne sommes pas restés, donc on y retournera et on les fera pour de bon. Mais maintenant nous sommes à Milton. Nous sommes à Milton pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Donc, on veut récupérer, donc déjà, bon, de la nourriture et tout ça, d'accord. Mais on veut aussi, on va dire, avancer, progresser dans nos skills, dans nos habilités, trouver des meilleurs vêtements et tout ça, tout en restant, on va dire, au chaud, sans perdre trop de vie. Donc, Milton est vraiment bien parce que ce sont que des bâtiments en fait côte à côte. Donc, du coup, on va pas avoir froid, donc on va pouvoir garder de la vie assez élevée. Le fait aussi qu'on aille très vite parce que on ne dort jamais. Du coup, c'est vrai qu'au final, ben, j'ai envie de dire qu'on consomme pas énormément de massettes. Oui, faut l'avouer. Pas de massettes, pardon. Je voyais massettes en fait. De calories, voilà, c'est de calories. C'est vrai qu'au final, ben ouais, non, c'est. On mange pas des masses. On mange pas des masses, vu qu'on court. Enfin, c'est paradoxal parce que si on court, si on se déplace vite et tout ça, si on marche pas en fait. On consomme plus de calories. Quand on dort, on consomme moins de calories aussi que quand on est éveillé. On va partir. Que quand on est éveillé. Donc c'est paradoxal. Mais en fait, au final, le fait de tout le temps rusher et tout ça, de pas perdre, entre parenthèses, du temps à dormir et tout ça, du coup, bah, ça nous fait avancer extrêmement vite. Et la nourriture, ça se passe très bien aussi. Pourtant, on n'est pas tombé en dessous des... Enfin, on n'est pas tombé à zéro. On n'a pas fait comme d'habitude ce qu'on fait normalement en... Alors, faut faire attention parce qu'il y a des loups sur la droite. Ah bah tiens, j'aurais pu aller là. Là, voilà. Parce que normalement, ce qu'on fait en intrus, au début surtout, c'est que pour économiser des... Attends, il n'y a pas un... Il n'y a pas un endroit... Ah, voilà, c'est ça. Une sorte de shed, là. Cool. Le truc, c'est qu'on s'affame, en fait, pendant la journée. Et après, dans la nuit, avant de dormir, on mange, on boit. Comme ça, quand on dort, en fait, on récupère de la vie. Donc, j'ai toujours fait comme ça, et ça marche très bien de faire comme ça. C'est plutôt même conseillé de... Oh, c'est bon, arrête de claquer les dents, là. C'est pas un peu abusé. Et c'est vraiment conseillé même en fait pour garder de la nourriture de côté. Enfin, on va dire survivre plutôt. Mais là, vu qu'on va extrêmement vite, ben, on a pu se permettre de tout le temps manger. Et on a le bonus des 48 heures. Le bonus de 5 kilos supplémentaires là. Bien nourri. Donc vraiment, vraiment top. Vraiment top. Assez content de ça. Là. Il y a une chose aussi, parce qu'on parle de survie en fait, en général, de comment je joue. Il y a aussi une chose que je fais, c'est pas voulu, ok? C'est pas voulu, ça arrive, mais c'est pas voulu. C'est tomber malade. Alors, à un moment ou à un autre, je fais toujours genre le malin en voulant manger, par exemple, de la viande de loup. Et je mange genre un steak par jour, j'ai 1% de chance d'être malade. Et à chaque fois, je tombe malade. Voilà, à chaque fois, ça le fait. Alors, cette fois, on va éviter. On va complètement éviter ça. Quoique, à la limite, je vais être honnête, tomber malade à cause de nourriture. Non, il n'y a rien. Nourriture de carnivore, je pense pas que ça va vraiment nous handicaper plus que ça, j'ai envie de dire. Parce que, bah en fait, elle est très résistante de base. Oh, j'avais pas vu.
Elle est extrêmement résistante de base en fait, elle se fatigue quasiment pas, donc je pense que ça va pas nous changer grand chose. Je vais être honnête, je pense que ça va pas nous changer grand chose. Donc d'ici à le vouloir le faire, peut-être. Peut-être. Par contre, il y a une chose qu'il faut absolument pas faire, c'est. Parce que j'ai vu qu'on. En fait, j'y avais pensé avant qu'on commence cet épisode. On a beaucoup de viande. Pardon, pas de viande, d'aliments. Genre des boîtes de conserve et tout ça. Et il y en a pas mal. Bon, elle me gave la lampe là. On va la garder sur nous. Mais... Voilà, de toute façon, elle est vide. Hop, on va prendre l'autre. Je vais le montrer. On a des aliments, mais il y en a qui sont en fait en mauvais état. Ils sont en dessous des 50%. Donc il va falloir faire attention à ça et surtout manger d'abord ce qui est en meilleure condition. Alors c'est vrai que paradoxalement, on devrait faire l'inverse. En gros, c'est utiliser les choses qui sont presque mauvaises en fait et garder les choses qui sont bonnes pour plus tard. Mais pas dans The Long Dark, pas en intrus. Vous voulez pas faire ça, sinon on va tomber malade. Et le problème, c'est que si on tombe malade de ça, genre d'aliments avariés, on va perdre de la vie. Et ça va très vite. Je crois que c'est... je sais pas, c'est peut-être genre 1% par minute, par 10 minutes ou un truc comme ça. C'est extrêmement puissant, en fait. Donc, faut surtout faire attention à ça. Donc si jamais on trouve de la nourriture, on mangera toujours ce qui est en très bonne condition en premier. Et après, on mangera le reste. Et honnêtement, on mangera le reste quand on aura la cuisine niveau 5. C'est honnêtement plus ou moins ça, parce que genre tomber malade, ça serait vraiment un très très gros problème pour nous. Donc voilà, résumé, on veut pas manger de la viande de mauvaise... Enfin, de la nourriture de mauvaise qualité. Mais après, pourquoi pas... est-ce qu'on est au max? Ouais, on est en chaleur au max, ça va. Mais après, pourquoi pas peut-être tomber malade avec de la viande de carnivore, de loup et tout ça. Ça, peut-être. Ça, j'ai envie de dire peut-être. Donc voilà. J'ai pensé à ça, donc je partage. On voit pas grand chose. J'ai envie de dire, ouais, on voit pas grand chose. On va regarder les voitures et tout ça d'abord. Ok, on est à 50% à peu près. On va fermer la... Éteindre la lampe. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de batterie. J'essaye de... D'économiser la lampe, évidemment. Ok, rien. Comme j'ai dit, ça serait... Putain, on voit rien à l'intérieur. Comme j'ai dit, il faudrait aussi qu'on trouve un peu de fuel, parce que j'avoue que c'est cool qu'on en ait trouvé tout ça, c'est vraiment le top du top, mais on est un peu bloqué ici. Comme j'ai dit, je crois pas qu'on puisse... passe, voilà. Je crois pas qu'on puisse... pêcher en fait. Hamilton, je crois vraiment pas qu'on puisse pêcher. Donc ça va être un problème si jamais on est à court de fuel. Bon après, comme j'ai dit, hein, on peut toujours refaire le coup des allumettes et des torches et tout ça, mais je vais être honnête, je préférerais pas.
On n'a pas des tissus à prendre. Non. Parce qu'elle est déjà fatiguée en fait. Enfin, non, elle est déjà froide, pardon. Elle est déjà froide. Elle est déjà froide. Elle est déjà morte, elle est froide. Il me faut une maison. Ok, cool. Ça, c'est parce qu'on a fouillé les voitures et tout ça. Maintenant, on a froid. Ok. Strictement. Il n'y a pas du tissu encore là. Enfin, je demande du tissu, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais c'est juste genre passer 10 minutes, 5 minutes en intérieur. Bon. Après, je suis content qu'on ait trouvé un revolver. Comme j'ai dit, on pourrait peut-être l'utiliser pour chasser. C'est vraiment pas l'idéal, hein, d'accord, on est d'accord, hein, mais bon. C'est pas comme si on avait le choix. Je regarde un peu ce qu'on a dans l'inventaire, parce qu'on arrive à 29 kilos quand même. Pour la nourriture... Alors, je sais pas si les barres chocolatées, ça peut nous rendre malades, je crois. Je sais que le pire... Honnêtement, dans mon expérience, après, je sais pas si les pourcentages, c'est les mêmes et tout ça, hein, des aliments. Mais le pire, c'est la nourriture pour chien. C'est un des pires. Ça, le 39%, je mettrai ma main au feu... Qu'on tombe malade si on mange ça. Je mettrais ma main au feu, honnêtement. J'ai même envie de dire que le 57% est dangereux. Je mangerai que ces deux-là, honnêtement. Là, c'est quoi après? Des porcs au foie. Ça aussi, pareil. Les faillots, pareil. Après, ça, je j'ai pas de souvenir d'être malade avec ça. Les chips et tout ça, ça passe. Les barres chocolatées et tout, je suis pas trop sûr. Je suis pas sûr, les barres chocolatées, je vais être honnête. Je dirais que non. Je dirais que j'ai jamais été malade avec, mais je suis... Je sais pas. Je suis pas complètement sûr. Ouais, c'est bien bien sombre. Faut que je m'approche et tout de l'écran. On a vraiment une nuit... Bah ouais, y a pas de lune, y a rien en fait. Ouais, attends, là on a froid. Là. C'est pour ça que je veux des rideaux, moi. Qu'on les déchire un peu, merde. Ah ok, là on a du matériel. Alors, on peut voir ça. Non, ça non. Après, je vais éteindre la lampe et on va faire tous les rideaux, je pense. Ça nous fera une petite réserve de tissu aussi. Parce que le problème, c'est que la nourriture pour chien et tout ça, les conserves en fait comme ça en général... C'est les plus courantes et ouais, c'est le problème. Je pense qu'il y a, une sorte de... Comment dire? On va dire qu'il y a un gros pourcentage de tomber malade si on mange tout comme ça sans faire attention. Donc on va faire attention de ne pas le faire. Mais en tout cas, ça se passe bien, hein, je vais être honnête. On n'est pas vraiment dans le besoin, on n'a pas de gros risques. Comme j'ai dit, le seul unique problème, c'est les sorties. Les sorties, il fait extrêmement froid et on n'a pas vraiment les vêtements pour. On n'a tout simplement pas les vêtements pour. On va continuer à prendre toute l'eau et après, si on dépasse les 35 kilos... on reviendra à la maison et on ira se vider un peu les poches. Je pense qu'on a tout fait. Ok, alors attendez.
Ok. Y a aussi une chose que je voulais montrer, vous avez sûrement vu, mais ça reste sur le journal, genre la première journée, jour 1. Parce que vu qu'il y a, c'est que de la nuit et ça, le temps avance pas en gros, donc à chaque fois on découvre des choses et c'est toujours le premier jour. Je trouve ça drôle. Je trouve ça assez comique. La cuisine qui augmente, c'est bien. Ça c'est mes stats, on s'en fout. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez drôle quand j'ai vu ça. Ça non, 23%, alors là, pas du tout. Ça et ça, on va les laisser à la maison. Ouais, on va les laisser à la maison. J'ai envie de déposer aussi celui-là. Après les chips et tout ça, non. Je suis complètement positif en disant qu'on risque rien. Les sodas et tout ça, pareil. Mais ouais, j'ai vraiment pas confiance avec la nourriture pour chiens et les faillots. Okay, très bien. On reste un peu dans le noir, c'est vraiment le temps de déchirer les rideaux. Rien de plus, vous inquiétez pas. On pourrait peut-être revenir en arrière. Enfin, quoi que non. Bon, ça va. On est encore bon. Ok, on est bon. Est-ce que... Bah tiens, on pourrait faire cela, tant qu'on est. Tant qu'on y est, on les fait tous. Hein, parce que de toute façon, il va falloir les faire à un moment ou à un autre. Parce qu'il nous faut du... il nous faut des tissus. Pour ceux qui sont nouveaux, ne jamais déchirer ou... Enfin... Couper les rideaux avec le couteau, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien et vous perdez des pourcentages du couteau pour rien. Et ce qui est bien, c'est que les rideaux, en fait, c'est à chaque fois, c'est 10 minutes, je crois. Je crois que ça peut aller à 15 minutes sur différentes serviettes ou des choses comme ça. Et c'est vraiment le meilleur moyen, en fait, pour se réchauffer dans un bâtiment. Parce que c'est pas très long, c'est seulement 10 minutes. C'est utile en plus, parce que ça donne du tissu. Et elle est où la porte? Elle est là. Et il y en a pas mal de temps en temps. Enfin, il y en a 5-6 à chaque fois à déchirer. Donc... Là, on voit mieux, là. Là, on voit nettement mieux. Donc, ouais. Pensez au rideau, c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose derrière moi. Non. On a eu des allumettes. Parfait, parfait. J'ai juste regardé dans le périmètre. Après on va dans cette maison là à ma gauche. Pas mal, on a trouvé des allumettes, faut que je regarde combien on a. Alors, fais voir un peu. Encore un pack de 12, ok, ça va, c'est très très bien. C'est très 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 potable, je suis content. C'est cool. La nourriture aussi, on en a beaucoup. Hein. Enfin, on en enlève 3 au moins. Mais on est bon, hein. On est très très bon. Hein. J'ai envie de dire, on dirait même pas qu'on est en intrus. Hein. C'est un peu abusé. Soupe de tomate, 51%, ça va. Soupe de tomate... j'ai pas non plus souvenir d'être malade avec ça. Alors après, mes souvenirs en fait peuvent être... pas vraiment précis par rapport au fait que, comme j'ai dit, les conserves de boîtes de chiens, en fait la nourriture pour chiens, sont très fréquentes. Donc du coup, on a, dans un sens, logiquement, on a plus de chances d'être malade avec ça, vu qu'on en mange plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être faux en fait ce que je dis, mais bon.
Voilà, pour moi, je pense que il y a plus de chances d'être malade avec ça. Donc, je vais suivre mon instinct pour le moment. On a trouvé une bûche calorifique. Je crois qu'elle pèse extrêmement lourd. On va devoir, ouais, on va devoir faire un détour à la maison. Elle pèse 2 kilos, je crois. Mais par contre, si on la met au feu, c'est genre 2 heures, un truc comme ça. Et je crois aussi qu'elle est à 100% quand on la commence. Enfin, quand on l'allume. Je crois qu'elle s'allume extrêmement facilement. Donc ça, c'est bien. Donne-moi un bon vêtement. Faut qu'on vide l'eau aussi. On a trop d'eau. On va prendre les rideaux ici aussi. Comme ça, on va pouvoir aussi se vider du tissu. Ça va être bien. Après, on pourrait... Putain, je vois. Attends. Est-ce que je peux me repérer? Ah, voilà. Juste trouver les fenêtres. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a d'abord Milton en premier, donc je pense que cet épisode, on va rester à la ville principale de Milton, hein, avec tous les petits bâtiments et tout ça. Et après, il va falloir qu'on descende. Après, on a aussi la zone au-dessus, hein, mais honnêtement, j'ai... On va pas y aller. On va pas y aller sans vêtements et tout ça. Genre, c'est quoi? La vallée de la rivière calme? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Là-bas. Je vais pas le faire cette zone avec, avec notre équipement de maintenant. Ce serait complètement con. Honnêtement, comme j'en avais déjà parlé dans la saison 5, c'est des zones limite inutiles à faire en intrus, je parle. Limite inutile. Parce qu'on peut pas trouver du genre des gros couteaux ou des hachettes et tout ça. Donc, c'est limite inutile d'y aller. On va faire ça. Oh merde. Ok, très bien. J'ai envie de le manger, ça, mais je suis pas complètement sûr que ce soit safe. On va finir ça. Ouais, un truc qu'il nous faudrait aussi, ce qui serait vraiment bien, c'est un ouvre-boîte. J'avoue que un ouvre-boîte pourrait vraiment nous aider, parce qu'on a quand même énormément de conserves. Donc ça ferait vraiment très très chier de perdre en fait tout ça. Enfin, d'en perdre une partie surtout. Ouvre-boîte, honnêtement, à Milton, ça doit... J'ai pas envie... Non, je suis bloqué. J'ai pas envie de dire que ça court les rues. Mais j'ai quand même envie de dire que ça doit être commun. Donc j'espère vraiment qu'on va en trouver un. Faut bien regarder les arrières dans les camions comme ça. Parce que des fois il y a des objets en fait... caché dans la neige de la remorque. Enfin, de l'arrière, plutôt. Donc, faire attention à ça. Après, on a aussi l'église à faire. Ça, on ira plus tard. Pas maintenant, plus tard. Putain, on doit être à 43 kilos, un truc comme ça, je dirais. On peut voir un peu. 43 kilos. Devenu très très bon hein, pour le poids. Pour savoir le poids. Ouais, va falloir qu'on aille à la maison là-bas. Je sens que les pourcentages vont être... Ouh la vache, ok, alors ça on va le manger. Surtout pas le manger. 6% le truc.
Là, c'est porte ouverte à la maladie. Donnez-moi un ouvre-boîte, honnêtement. Pour une fois que j'en demande deux, j'en demande un, pardon. Parce que la plupart du temps, les ouvre-boîtes, je les jette, en fait. J'avoue que là, on aurait plus à gagner en calories en trouvant un ouvre-boîte qu'en trouvant de la nourriture, en fait. Au final. Vu qu'on va en perdre énormément à forcer les boîtes. On peut pas sprinter rien. Est-ce qu'on est très très loin de la maison? Je crois pas, hein. Pas besoin de se vider maintenant, parce que j'ai peur de pas pouvoir sprinter en fait, et qu'on tombe nez à nez avec des loups. On risque d'avoir froid en fait. Après, il y a en haut, il y a le crash de l'avion qui est pas mal. Où on peut trouver des choses intéressantes. Il y a beaucoup de petits endroits à Milton quand même. Il n'y a pas que la ville elle-même, hein, on avait vu la dernière fois. Ils sont juste à côté. Ils sont vraiment juste à côté. Quand on sort de la maison, ils sont sur la droite. C'est juste pour aller à la vitrine. Ok, alors attendez. Par contre, je voudrais voir les vêtements. Ok, alors déjà on met ça, c'est déjà beaucoup mieux. Ça. Ok, le reste on va les déposer. Alors. Alors déjà tissu, transfert tout. Alors là on a une... Celle-là elle est vide. On a 40, ouais, 40 kilos, ça va. Celle-là est vide, ça. Les livres pour l'instant on laisse. Si jamais on veut coudre pour passer le temps, on garde. Alors la nourriture, on avait dit que ça, on mangeait pas. Le poisson aussi, on fout là. Ça. Là, ça m'a l'air potable. Les vêtements extra pour le moment on les garde, comme j'ai dit on veut pas vraiment genre, passer du temps en fait à dézinguer des vêtements ou quoi que ce soit parce que sinon ça va être un peu de la perte de temps. On va faire ça. J'ai envie de garder les allumettes en carton sur moi, et comme ça c'est les allumettes en fait qu'on va utiliser en premier, je dirais. Ok, maintenant on va aller mettre ça dans le réfrigérateur. Ah, très bien. Ok. 23 kilos, c'est bon, on est bon. Je vais me baisser. Aussi se baisser quand vous sortez des bâtiments. Ou alors quand vous sortez de la voiture. Enfin, de la voiture, vous pouvez pas vous baisser en fait dans la voiture. Mais vous pouvez vous baisser avant de rentrer dans la voiture. Et quand vous sortez de la voiture, du coup, vous serez baissé aussi. Ça permet de pas se faire repérer par les loups et tout.
Enfin, par contre, là, je vois rien. On va aller à la banque. Oui, j'en vois là-bas. Crédit Union, ok. Ouais, ils sont vraiment tout proches. Une ouvre-boîte, ou un pied de biche. Je vais être honnête, ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas d'aurore boréale. Parce qu'une aurore boréale en plein Milton, c'est cool. Hein. Il y a des lampes partout. Donc, je vais être honnête, je serais assez heureux, mais bon. Le temps, on a décidé autrement. Des fois, je mets un peu de temps à regarder en fait s'il y a des objets, parce que, comme j'ai dit, vu que j'ai pas trop l'habitude, genre par exemple de regarder pour des balles. Que là ça serait illuminé en fait si on avait une aurore boréale, donc ça m'embête un peu. J'ai l'impression vraiment qu'on utilise la lampe pour rien. Enfin, bon, c'est pas grave, de toute façon comme j'ai dit, hein, on se débrouillera après, hein. Yes, après on ira avec des torches ou je sais pas quoi, hein. Très bien, genre pas question de se balader dans le noir, non ça non, ne inquiétez pas. Pas question. Même moi, c'est pas intéressant. Autant pas jouer, hein, si c'est pour être dans le noir tout le temps. Ouh, pas mal ça. On va d'abord faire ça, puis après on finira par le coffre-fort. Je crois que j'éteindrai le... la lumière pour fouiller le coffre. Pour le coffre-fort. Ok, très bien. Ok, maintenant, tout ça, c'est un peu relou. Je vais être honnête, j'ai jamais rien trouvé à part de l'argent. Je pense bien. Oh, pas de balles. Ouais. Oui, des journaux, oui, c'est vrai. Bon, là, on a trouvé quoi? Une balle de fusil. Pas mal. Y'a personne qui garde un ouvre-boîte, s'il vous plaît? Genre dans un coffre-fort. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre coffre-fort? Ah, moi, juste un ouvre-boîte. Ok, alors, hop. Je voulais juste voir. Donc, on a deux balles et il y a le journal que je voudrais jeter, ça sert à rien. L'argent. L'argent, je sais pas. Pff, ouais, regarde. Alors, coffre-fort. $50, je crois. Ouais, 50. $56. Ok, est-ce que j'aime pas faire ça?
Hope nobody needs this anymore. De l'argent, yes. La lampe, elle est où? Je sais pas comment ressortir maintenant. On a tout. Alors attendez, avant de sortir, je voudrais faire un truc. Alors, on met ça par terre. On ravitaille la lampe. Comme ça, ça va utiliser les petits jerrycans. Enfin, pas les jerrycans, mais les petits... je sais pas comment on appelle ça. Les petites bouteilles. Ça, c'est pas des bouteilles, c'est pas du verre, quoi. C'est des trucs en plastique ou en métal. Ok, pas là-bas. Je crois qu'il y a encore les voitures là et je pense qu'il y a encore quelques bâtiments qui sont ouverts. Par contre, on va peut-être sortir la lampe, non, parce que là je vois rien. Juste au cas où. J'ai bien récupéré le jerrycan. Ok, cette maison. On fera pause déchirement de vêtements. De rideaux. De quelques petits objets, pas grand chose, rien de très rare non plus. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme j'ai dit, on va faire cet épisode, ça va être que genre fouiller des maisons et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Après, c'est où la l'église et tout le côté en fait qu'on avance de côté de l'église en fait. Ou alors on va sur la ferme qui est plus bas. Je pense que la ferme plus bas c'est peut-être plus intéressant. Parce que vu qu'on peut sprinter. Vu qu'on peut sprinter, c'est plus simple à y aller, j'imagine. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. On trace là-bas en courant. Je sais même pas si on a vraiment besoin de boire du thé pour se réchauffer. Enfin, pour avoir le buff. Ça aussi, il faudrait aller en récupérer plein. Rideau, serviette. Ouais, ça aussi, il nous faut. Je sais, où est-ce qu'on pourrait aller pour récupérer plein de champignons et de baies? Où est-ce qu'on pourrait aller? Ah, attendez, je me suis perdu. Rideau. Où est-ce qu'on pourrait aller? Bah dans les deux cas, dans les alentours de la ferme en contrebas ou dans les alentours de là-bas la ferme ou des alentours de la l'église, les deux se valent, les deux passent.
que là, je me suis baissé. On a fouillé ça. Il y a une maison en haut, on va y aller. C'est plus loin, pardon. Attendez, faut qu'on se réchauffe, donc on prendra tout le bordel après. Avance! Aïe 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 aïe. Lampe. Alors on va peut-être casser des caisses. Okay, on a ça. Parce qu'il faut vraiment que je me réchauffe. Au maximum, parce qu'il y a quand même pas mal de massettes et de champignons. Donc je voudrais vraiment pouvoir les récupérer. Métal, même si c'est pas ultra utile. On peut la casser celle-là. Une heure. Ok. On a faim, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'on a trouvé ça. 94%. Ça, c'est coupe-vent, étanchéité, coupe-vent. Et c'est pas chaud du tout, en fait. Bon, on peut mettre ça à la place. Par contre, attendez. On va faire ça. Voilà, là, ouais, là, ouais, voilà, voilà, voilà. Là, on est bon. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on prend ça? On prend ça d'abord. On va prendre ça. On va prendre tout ce qui est chips et tout ça. Bien. Ça va vite hein, quand on veut manger, hein. Ça va vite, hein. Ça va super vite. Eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Arrête de parler. Arrête de dire n'importe quoi surtout. Ok, ok. Ok, ok, on est bien là. On est bien. On a encore le maple syrup. Elle est pas au max. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, mais oui, je peux pas réparer dans le noir. Il faudra attendre une aurore boréale pour ça. Est-ce qu'on a un kit pour nettoyer les armes? Non, hein. Non, on n'a pas de kit. Ça aussi, c'est vrai qu'il faut que j'y pense. Il nous faut un kit. J'avais complètement oublié ça. Bon, très bien, je vais voir. Non, encore un peu. Yes, ok. La porte. Ok, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Donc où est-ce qu'on va maintenant? Est-ce qu'on retourne vers les maisons de Milton ou pas? Okay, très bien. Bien. 50%. Ça descend méga vite, ça stresse à mort. Okay, là.
Ouh, c'était dangereux ce que je viens de faire. Je voudrais qu'il fasse jour. Enfin, non. Pas jour. Je voudrais qu'il fasse un peu plus. Genre la lune. Je veux pas revenir à la lune. C'était bien quand il y avait la lune. Ok, très bien. Les massettes pour le moment. Non, 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 pas le point. Ok. Ok. On rentre, on se réchauffe. Et du coup, on repart. Ah, attends, il y a des rideaux ou pas? Non, je crois qu'on les a fait, ceux-là. Ok, quitter la maison ici, ça marche. Où est-ce qu'on pourrait aller? On a fait la station service. Par contre, on n'a pas fait le chemin en fait qui monte sur la gauche de la station service. Vous savez, avec le camion. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? On pourrait y aller. On pourrait. La limite. Je sais pas trop. On va voir. Du coup, vous devrez se réchauffer à la station service, je pense. Ok. J'ai rien dit, on viendra plus tard. Ça c'est con parce que là on vient de le ramener dans Milton. On va se baisser, comme ça quand on ressortira, on... il va pas nous flairer. Merde, je les ai tous fait déjà. Ça va vite. Dépensement, on a que deux dépensements. Ouais, c'est déjà mieux. Bah, qu'est-ce que je vous dise, moi, on va devoir sortir. On n'a rien à faire. Non, on a fait. Ok. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On rentre à la maison? Je crois avoir fait tous les bâtiments. Hein. Quasiment positif. Hein. Là-bas, c'est. Ouais, il y a la sorte d'arc en fait. D'arche. Ah, peut-être en hauteur, il y a des trucs à récupérer. On pourrait monter. Non mais je vais être honnête, on va avoir froid. Jesus, it's cold. Ça on a fait, ça on a fait. Ça, on a fait... Ah, peut-être là. Oh, so cold. Ah, dépêche, dépêche, dépêche.
Eh, bouge tes miches. Allez, 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 go, 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 go. Allez. Oh, c'est lourd. Ça va. Ça va, ça va. On a une nouvelle batterie. 30 minutes, recycler, let's go. Parfait. Ok, alors faisons un peu le tri. Alors, les 5 on les garde. Ça on dépose, ça on dépose. Ça aussi. Alors on va balancer ça. Munition pour fusil. On a combien? On a 25 de fusils et on a 30. On a beaucoup de revolvers. On a beaucoup, beaucoup de revolvers. C'est pas vraiment rare, hein, le revolver, honnêtement. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les vêtements. Okay. Après, le reste, on le porte. La nourriture, pour le moment, ça va. On garde ça. On a deux cafés, ce qui est bien, mais c'est honnêtement, c'est pas vraiment utile. On a ça aussi à faire. On a 5 et ça et 6. Ça aussi, on va le jeter. Enfin, le passer là. On va garder quand même une boîte d'allumettes. Parce qu'il faut pas rêver. On ne sait jamais. Il nous faudrait une aurore boréale aussi pour que je teste la loupe. Au passage. 26 kilos. Très bien. Ben, je crois qu'on va aller dormir tout simplement. Ouais, on va aller dormir et je crois que ça va finir notre petite journée. Vous voyez, c'est 3... ouais, c'est 3 et c'est 15 minutes. Ça va boucler notre petite journée qui était très très bonne. Bon après, par contre, je vais être honnête, je suis quand même très surpris de ne pas avoir trouvé d'ouvre-boîte. Parce que les ouvre-boîtes, c'est pas vraiment quelque chose de rare. Et en intrus, on en trouve quand même pas mal. Enfin, on va dire qu'à 1000 tonnes, quoi. Attendez. Je sais que je le fais dans le noir, mais c'est parce qu'on va dormir. 1000 tonnes, pourtant, c'est pas... Enfin, voilà, c'est une ville, il y a plein de bâtiments, donc c'est un peu étrange qu'on ait pas trouvé. Bon, c'est pas grave. On fera 100, hein, mais c'est pas grave. Voilà, je trouve ça un peu étrange. C'est vraiment, là, pas de chance. C'est un manque de chance. Et on est bon. Alors, voilà, on est à 28, c'est très bien. Donc, la prochaine fois, on va aller vers la... Ça sert un peu à rien que je monte la carte, mais c'est l'habitude, en fait. Je pense qu'on va faire la ferme. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Comme ça, il y aura la ferme à checker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Ah oui, il y a l'endroit aussi pour crafter. Il y a un établi. Donc on va vous fouiller ça aussi. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ouais, on va les garder les deux côtés, les conserves, si on peut vraiment... si on peut pas trouver un truc avant. Boire ça. Enfin, manger ça. Donc ouais, on va faire ça la prochaine fois. Et après, si normalement, il devrait avoir des cerfs vers la ferme. Alors, ça me botte pas trop hein, de le faire, mais on va peut-être essayer de mettre des balles dans la tête au revolver avec les cerfs. Est-ce qu'on peut tirer et en étant accroupi? Ouais, ok, elle peut viser en étant accroupi. Donc on peut chasser... Je sais pas si ça vaut le coup de le faire, mais on verra. Bon, ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez tous un très très bon week-end. Merci à tous de suivre cette petite série. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Donc, Milton, ferme, peut-être chasse au cerf avec le revolver. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. J'ai peur qu'on tue pas, en fait, et qu'on perde des balles pour rien. Mais bon, on verra ça. On verra comment ça se passe. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.